Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve avec ma fille. Chine m'a contactée il y a 15 jours pour savoir si je voulais faire un partenariat avec eux. Et bah, bien sûr, n'est-ce pas Justine? On a dit oui et ils m'ont demandé de sélectionner plein d'articles en fait sur le site. Donc, je vais vous montrer les articles et puis ma fille a choisi certains articles et moi j'en ai choisi aussi. Donc, j'en ai 5, je crois, et toi t'en as 10. On va y aller tout de suite. Ah oui, j'ai reçu dans un premier colis cette petite chose. Alors, voyez, tous les articles sont très bien emballés. C'est ma première vidéo Chine. Faut savoir qu'on a déjà commandé avant, mais il y a plusieurs années de ça, chez Chine, et la qualité, elle était pas... Bon, j'en avais pas parlé en vidéo parce que tout ce que j'avais reçu était 3 fois trop grand. Donc là, on va voir. Trop petit à l'époque, non? Non, c'était trop grand. Tout ce que j'ai reçu, c'est, ça allait pas, quoi. Mais c'était il y a plusieurs années. Il y a 5 ans. Moi, je suis beaucoup... j'aime bien regarder les vidéos Chine. Parce que bon, j'aime bien regarder, j'aime beaucoup la mode. Et c'est vrai que je suis contente de faire ce partenariat. On va voir ce que ça donne. Alors, première chose, premier article. Donc, des petites pochettes, c'est super sympa. Moi, je vais les garder. Je vais ranger mes petits vêtements dedans. Ça, c'est top quand on part en vacances à chaque fois. Bah oui, les maillots de bain et tout, moi, je mets dedans. Ouais, c'est super. Premier produit. Alors, pour commander, moi, personnellement, j'ai regardé les guides détails. Ma fille m'a conseillé de bien regarder les avis et aussi de regarder les photos des personnes qui achètent les produits. C'est très important, comme ça vous permet quand même d'avoir une photo, puis les avis de d'autres personnes qui les ont achetés, donc ça c'est bien. Et les étoiles, hein, il y a des notes, des étoiles pour les articles aussi. Ah, genre fidèle à la taille, des choses comme ça. Oui, voilà, c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai choisi cette petite robe, alors je la trouve très très jolie. Elle est en coton, elle a un petit col volant comme ça. Tout de suite, là, je suis à fond dans le blanc, dans la dentelle. Ne me demandez pas pourquoi, mais je trouve ça trop mignon. Elle est courte, quoi. Donc, on va l'essayer. Et puis, je vous laisse avec ma fille. J'avais pris un pantalon. Il m'a l'air transparent, par contre, on va voir. Mais c'est un pantalon simple, vert, comme ça. Il était en plein de couleurs. Je sais pas. Il était en pleine couleur hein, sur le site et les photos avaient l'air bien, donc je vais essayer. Par contre, il a l'air long, mais on va voir. Alors, voilà ce que ça donne. Je vais porter ça avec des chaussures. Alors, j'ai choisi des chaussures à plateforme, comme ça, là, vous voyez. Je me recule. Alors, ma fille trouve que c'est un petit peu chaud. Ah, oh, j'aime bien. Mais non, pour l'été, franchement, non. Franchement, ça ne me gêne pas du tout. Non. Limite avec ton maillot de bain dessous et tout. Ouais, non, même sans maillot de bain, je veux dire, derrière, c'est assez long. Ouais, même c'est un peu plus long derrière. Oui. Hein, et devant, un tout petit peu plus court. Non, franchement, je la trouve parfaite. Ouais, elle est bien. Franchement, elle est très jolie. Mais alors, elle est très très belle, j'aime beaucoup. Elle est même pas transparente, si à peine. Elle est à peine transparente, mais vous voyez, j'ai mis un body beige dessous. Donc, tout va bien. Et je la trouve trop mignonne, quoi. Pour l'été, quand il fait chaud, mais je la trouve... alors, si je lève... alors, bon. Non, même si tu lèves bien, ça ne change pas, je trouve. Bon, de toute façon, je ne me vois pas lever les bras comme ça. Oui. Déjà. Bon, après, chacun fait comme il veut. Donc, écoutez, moi, je la trouve trop mignonne. Et puis, j'aime beaucoup. Le col est magnifique. Il est très joli. J'aime beaucoup. Les manches bouffantes, comme ça, c'est très beau. Pour l'instant, j'adore. C'est très mignon. Mon pantalon, eh ben, il taille super bien. Parce que j'ai un gros problème avec les pantalons. Moi, généralement, à la taille, ça baille. Et après, ici, ça sert bien. Et là, mais franchement, il baille même pas. Il taille, mais nickel. La matière est super agréable en fait, elle fait super qualité, vraiment. Ouais, non, il va très très bien. La matière. Ouais. C'est un peu élastique en plus, ça va être très confortable. Ouais. Ça s'adapte bien par contre. Ouais. Il est plus large en bas, et c'est vraiment une coupe que j'aime en fait. Et la taille te va nickel, t'as pas besoin de faire bourrer. Nickel, il est vraiment sympa. Ensuite... moi, je vais porter, je vais essayer, je voulais vraiment essayer ces petits produits-là pour la maison. C'est très, c'est une combinaison, voilà, qui est assez longue. Donc, je vais la porter. En tout cas, la matière, elle est toute douce.
Ça a l'air hyper confortable. Je vous laisse avec ma fille. Je vais me charger et puis je reviens tout de suite. Alors moi, j'avais pris une veste. Elle passe sur les pubs Instagram à chaque fois. Et je la voyais, elle me donnait trop envie. C'est bah, une sorte de blazer, mais très fin. Par contre, ça, c'est plus pour l'été. Ouais, c'est super fin. Je m'attendais à plus épais quand même. Mais ça va, elle est de bonne qualité. Elle est bien fouchée, ça a repassé. Et c'est crop top. Après, ça tourne sur la taille. Enfin, je vais essayer. J'adore. Franchement. Alors, franchement, si tu vas aux toilettes, tu dois te déshabiller, quoi. Bah, c'est une combi, hein. Déjà, quand on l'achète, on le sait. Hein. Ouais. Mais bon, on n'a rien dessous, donc c'est pas grave. Non, mais je le trouve, mais j'ai pris toujours. Alors, j'ai tout pris en taillesse. Mais il est magnifique. Est-ce que le cordon il se resserre ou Oui, le cordon se resserre. Voilà. Ouais, mais ça resserre vraiment la taille. Ah, oui. Ah, ça c'est bien. Ouais, ouais. Donc il se resserre. Il y a des poches. Et pour moi, voyez, moi qui suis petite, voyez, je mesure 1m56, hein, je suis assez petite. Et mais je voyais en commentaire les filles qui étaient un peu grandes, ça leur arrivait à mi-mollet, vous voyez. Et, mais moi non, c'est pile poil ma taille. Mais j'adore, c'est trop mignon. J'aime beaucoup, voyez, le décolleté, là, c'est très très beau. Bien, enfin, il n'y a pas de fil, hein. C'est, je suis trop contente, il est magnifique. J'adore. J'adore. Mon mari, il va se moquer de moi. Ah, j'adore. Ah, mais j'adore. Moi, je sais pas, c'est joli la veste. Ouais, c'est belle. Bon, ben voilà, la veste. Du coup, je l'ai attachée devant, mais après, je crois que je vais l'attacher derrière plutôt. Ce sera peut-être plus. En fait, c'est cache-cœur là, du coup. C'est peut-être que ça va pas avec ce pantalon. Oui, moi, je l'ai fait plus avec un pantalon noir. Ouais, bon, si, ouais, je trouve. C'est super joli. C'est juste que le pantalon va pas avec. Voilà. En fait, on attache avec un cordon et. Ouais, franchement, c'est sympa, j'aime bien. Et du coup, on peut vraiment l'adapter à la taille comme c'est un cache-cœur qu'on attache. Voilà. Ensuite, je me suis pris une autre robe. Alors, j'ai pris du noir. Hein. Mais bon, bah, c'est mon premier partenariat et j'ai choisi des articles qui me plaisaient et ils sont noirs. Donc, c'est comme ça. Et voilà, une robe qui a manches longues. Elle est très jolie. Elle est en maille, vous voyez. Ouais, vous voyez. Et comme on a que de la pluie en ce moment, je me suis dit que ce serait parfait en ce moment. Je vais vous montrer. Je vous laisse avec ma fille. Bon, ça ira pas avec le pantalon, hein, mais bon, faut que. Bon, je sais pas. J'ai pris une blouse, par contre, je suis un peu déçue de la matière. Je m'attendais pas à cette matière-là, ça gratte un peu. Ah bon? Bah, touche, on dirait de la poitrine un peu. Ah. C'est un peu bizarre. Ouais. C'est une blouse que je trouvais super jolie sur le site avec les petits nœuds au cou, avec des manches bouffantes. Donc, on va voir. Bon, ça va. Je sais pas si ça ira avec le pantalon, peut-être. Oh, de toute façon, je vais essayer. Alors, voilà, nouvelle robe, donc en maille, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, et j'aime énormément. C'est très joli. Voilà. J'espérais que tu l'aimes pas. Mais tu peux me la prendre. Par contre, je pense qu'elle tira un peu large. Ouais. Parce que même à moi, elle est un tout petit peu large. Donc, là, vous voyez, si je l'avais pris en taille XS, ça aurait été mieux. Et elle a ses. Vous voyez, elle arrive jusqu'à là. Et elle a cette échancrure au niveau de la jambe avec des petits boutons. Vous voyez, tout le long là. C'est très joli. Très, très joli. Elle est à peine grande, mais bon, c'est pas grave, c'est pas gênant, je pense pas. J'aime beaucoup cette asymétrie. C'est très, très joli. Je vous laisse avec ma fille. Trop belle. Mais finalement, elle ne gratte pas tant. Hein. Elle est belle. J'adore avec les manches. Les manches bouffantes comme ça, c'est super joli. Et j'aime bien quand les manches serrent bien le poignet. Ah non, c'est j'aime bien poignets, en plus quand il y a des. Le bracelet. Enfin, j'aime bien la manchette. Là. La manchette large comme ça, je trouve ça très joli. C'est très féminin. Bon, je vais rentrer dans le pantalon. Là. Ça passe comme ça. Et ce que j'aime bien, c'est le nœud parce que le nœud, en fait, il n'est pas du tout fin. Enfin, il commence fin en haut et en fait, il finit super épais en bas. Et du coup, ça ajoute beaucoup de volume dans le nœud et c'est, bah, j'aime beaucoup en fait. C'est super joli. Très chic. Et tu vois, il va très bien avec le pantalon. Ouais, en fait, ça fait joli. Bon, par contre, comme le pantalon il est bien serré, là j'ai rentré la chemise dans le ventre et là, bah, là ça gonfle du coup. Ouais, ouais. Mais bon, c'est un détail. Ouais. Franchement, je suis super jolie. Très beau. Ensuite, je me suis prise cette chose.
Alors, vous allez dire... Non, alors, je voulais m'en servir, en fait, comme chemise de nuit. Enfin, robe de chambre, vous voyez, comme j'ai à la maison, comme il fait... Bon, on a en été. Et en fait, je ne pensais pas que c'était fermé ici. Je pensais que c'était ouvert et qu'on pouvait fermer avec une ceinture, tout simplement. Mais normalement, c'est une tunique de plage. Trop belle. Elle est magnifique. Il y a une ceinture. Elle est bien transparente. Hein. Moi, c'est pour la maison, donc ce n'est pas un souci. Et je vais... Alors, vous pouvez le porter avec un maillot de bain dessous. C'est ce que je vais faire. Et je vais vous montrer ce que ça donne. Mais c'est super long. C'est assez long, mais c'est pas grave parce que je vais faire un ourlet. C'est pas grave. Oui, parce que si tu vas aller à la plage, tu manges dedans. Ah bah, t'es obligé de faire un ourlet. J'ai une machine, il n'y a pas de souci. Donc, je vous laisse avec ma fille. Alors, on avait pris un ensemble avec le pantalon. Et ce qui est bien, c'est que l'intérieur, c'est un short en fait. Il y a une doublure short à l'intérieur du pantalon pour pas que ça passe transparent. Donc ça, j'ai trouvé ça sympa, ce short là. Et après, il y a le haut. Et après, le haut, moi, ça me fait trop penser à la tenue de Jasmine dans La Dame en Apin quand elle est avec le méchant, avec Jafar. Moi, je vais essayer du coup. Alors, je trouve ça magnifique. Alors, vous voyez, j'ai mis dessous un body. Et vous voyez, le petit... c'est super, c'est trop joli. Vous voyez, ça s'ouvre comme ça. Et donc, pour aller à la plage, pour une sortie de plage, c'est très joli. Moi, je veux juste le garder pour la maison. Je trouve ça magnifique. J'aime beaucoup. Tu pourras l'emmener dans le sud. Oui, je vais partir chez ma soeur. C'est vrai que je peux l'emmener. De toute façon, on ne va pas aller se baigner. Hein. Mais, non, on va juste se promener. Et voilà, donc c'est très très beau. Je trouve que, alors vous avez des petites manches avec un petit bouton. C'est très bien fait, c'est bien cousu. Il y a deux petits boutons, vous voyez. C'est superbe, hein, vraiment. Et puis, le motif est bien fait. Le doré, c'est très joli. Enfin, je trouve que c'est très qualitatif. Franchement, si je l'avais vu dans un magasin ici, je l'aurais acheté, c'est sûr. Voilà. C'est trop bien. C'est super. C'est long, mais c'est pas grave. Je vais faire l'ourlet. C'est magnifique. Pour la maison, c'est trop beau. Mais même pas pour la maison. En fait, tu peux même l'utiliser en robe de soirée, en fait. Oui, mais bon, je suis pas trop invitée aux soirées. Hein. Oui, non, mais je veux dire, en fait, c'est une tenue super chic, je trouve. Ah oui, c'est très chic. Hein. En tout cas, moi, je vais le porter à la maison. Donc, que ce soit transparent, c'est pas grave. C'est une sortie de chambre, en fait. Voilà. Et je le trouve très, très, très beau. Alors... Bon, par contre, c'est super transparent, donc faut pas mettre un soutien-gorge noir comme moi, ça n'est pas joli. Mais limite, par contre, peut-être pour aller à la plage, en fait, ça peut être bien, ça, non? Ça va prendre aller à la plage, oui, ouais. Bon, le haut, franchement, j'adore les manches, c'est super joli à resserrer ici. La matière est... elle me gêne pas du tout, la matière, moi. Le short, par contre, il fait un peu short de bain à l'intérieur du pantalon. Mais bon, sinon, mais quand c'est pour la maison, comme tranquille pour traîner, ouais. Pour être... C'est les portefeuilles, du coup, bah pareil, enfin cache-cœur, là, du coup, on ferme avec un nœud, on ajuste à notre taille. Et le pantalon, ça va un peu haut de jogging avec un petit... Tu as dit que c'était doublé pour... Ouais. Ah ouais. Par contre, ouais. Ça resserre pas la taille, c'est juste un cordon qui est placé là pour être là, quoi. Voilà. Mais limite, je me demande si j'ai pas enlevé le cordon. Ah bah tu peux, hein. Parce que je trouve qu'il fait un peu trop. Mais voilà, il manque juste des poches. Ça, c'est dommage, j'aurais bien mis des poches dedans. Ah oui. Et voilà, et c'est très long, épais, enfin large, j'aime beaucoup, quoi. Voilà. Parfait. Alors, moi, j'ai choisi encore du noir. Je vais vous montrer ça, c'est une robe. Alors, je vais vous montrer ça, je vais la porter, et puis à tout à l'heure. Alors, ça ira pas du tout avec ma tenue, hein, mais c'était juste pour vous montrer. J'ai pris ce haut un peu style américain. C'est juste pour mettre par-dessus un short en été et un débardeur. Voilà, ça fait très américain. C'est juste voilà, pour traîner dehors en été. Ah ouais, mais du coup, avec les manches longues, on voit pas bien. Mais j'ai pas de haut pour mettre dessous en fait. Hop. Voilà, faut juste imaginer ça avec un short et un... Je
Je vois ça avec un débardeur, enfin vraiment un truc d'été, juste ouvert comme ça pour traîner. Comme il est assez long en fait, bah, ça cache un peu au niveau du short. Enfin, j'aime bien. Voilà, c'est juste pour l'été. Magnifique, comme dirait Christina. Je la trouve, mais exactement ce que j'aime. Encore un... Alors on voit l'épaule, c'est super joli. C'est magnifique. Le tissu, est, c'est la maille, c'est très léger. Il y a une ceinture ici à la taille. Les manches sont un peu bouffantes, donc je trouve ça très joli. Et puis voilà, c'est une jupe, c'est une robe en fait. Explosante comme ça. Franchement, c'est très beau. Alors moi, je le porte avec un... C'est un petit bandeau, mais je trouve mais tellement joli, tellement féminin, tellement élégant. Je la trouve très élégante, je trouve ça magnifique, super belle. Mais c'est très joli, et puis elle est hyper confortable, très contente, j'adore. Et moi, mon dernier article, c'est ce gilet. Je l'avais vu sur la chaîne de Sia Lincoln, mais elle fait plus de vidéos, elle a arrêté. Mais... voilà, c'est un cardigan, je pense que ça s'appelle. Il est super joli, j'adore les couleurs. Allez, non, c'est pas trop pour l'été. Gilet. Ah bah je le prendrai moi la prochaine fois. Ouais, c'est un gilet, il est en plusieurs couleurs aussi. Et voilà, bon, c'est un peu moins pour l'été, mais quoi que le soir pour traîner. Ah bah le soir quand il fait un peu frais, voilà. C'est sympa. Ouais. Et moi du coup j'ai fini maintenant, j'ai plus rien à rentrer. Alors moi je me suis choisie une autre petite robe qui est très jolie aussi. Elle est très très belle, léopard. Elle se présente comme ça, elle est trop belle. Donc je vais l'essayer et je vous reviens tout de suite. C'est Noël, je suis trop contente. Alors elle est superbe aussi, magnifique. Donc léopard avec un petit col. Mais alors il n'y a aucune mauvaise couture, hein. Franchement dans tout ce qu'on a essayé. Même les matières, elles sont hyper agréables, celles-là, mais pour l'été, mais c'est génial. Franchement, elle est assez longue. Elle est parfaite, vous voyez, j'ai pris une taille ES, c'est ma taille, j'ai aucun problème, elle est très belle, elle est très fluide, elle est superbe, le tissu, je trouve que les motifs sont beaux, c'est pas vulgaire, des fois le léopard ça peut être un petit peu, non, c'est parfait, franchement, mais j'ai rien à dire, très très beau, mais je suis super contente de tous les produits. J'ai choisi, alors c'est une robe longue, bah écoutez je vais l'essayer aussi, je me rappelle de cette robe, je l'enlève, voilà, j'enlève celle-là et puis je reviens. Superbe, j'adore, elle est superbe, donc c'est une robe, vous voyez, qui est encore une fois très très fluide, mais hyper agréable à porter, assez loose, j'adore, on est hyper bien dedans, alors on peut rajouter une ceinture si on veut, moi je ne vais pas en mettre. Et même ce que tu peux faire pour ajouter un peu de couleur, c'est un jour que tu mets une ceinture, tu peux mettre la ceinture avec les dorures là. Ah oui, tu peux ajouter un petit détail doré, coloré à la fin. Génial, alors ma fille me disait qu'elle était un petit peu transparente, et moi j'ai acheté des fonds de robe chez des fonds de robe et que je mettrai avec, donc c'est pas un souci. Est-ce que par contre ça ne se passe pas gâcher le décolleté si tu mets un dessous de robe? Non, parce qu'il est en V. Ouais, non. Et puis au niveau de la longueur, vous voyez, ça arrive vraiment. Alors là, je les porte avec des talons aiguilles, mais vous voyez, si je les portais avec. C'est pile la bonne longueur en fait. Ouais, moi je trouve que c'est pile la. Ouais, ma fille a raison, c'est pile la bonne longueur. Parce que si je mets mes... mais j'adore, on est trop bien dedans. Même pour, franchement. Faudrait qu'on teste la gamme des chaussures. Ouais, la prochaine fois, je testerai les chaussures. Voilà, vous voyez. Donc, parfait. Au niveau de la longueur, mais c'est parfait. Et la matière, elle est super agréable. On est trop, trop bien dedans. C'est génial. J'adore. Pour l'été, j'aime bien ce genre de robe assez fluide, bohème en fait. C'est très joli. Et puis, j'ai terminé, non? C'est quoi ça? Ah oui, alors ça, c'est encore une jupe. Oh, elle est une robe, elle est trop belle encore. Oh, je reviens. Alors, voilà, donc ça se présente comme ça. Elle est très, très, très... Donc, c'est une jupe, une robe tube. Donc, il faut mettre des sous-vêtements adaptés pour pas que ça se voit à travers. Donc en microfibre, petit culotte en microfibre, c'est bien.
Et vous avez une petite ceinture qui se présente comme ça. On la met comme ça. Ouais. Voilà. Ouais. Elle est très jolie. Elle est super. Elle est très élégante aussi, je trouve. Avec, bon, avec ses chaussures, pas trop, mais avec des chaussures adaptées. Voilà, très très jolie. Des petites chaussures à talons. Vous voyez, en soirée, pour aller dîner au restaurant. C'est ouvert bientôt. Voilà. C'est ouvert, mais pas complètement. Mmh. Voilà. Écoutez, je les trouve très très belles. Bon, là, j'ai gardé le petit, c'est pour ça, ça boudine un petit peu sur le côté, mais c'est parce que j'ai le bandeau dessous. Mais sinon, non, franchement, elle est très très belle, très élégante, superbe. J'aime beaucoup. Ensuite, j'ai pris. Alors, celle-ci, j'apprends un peu. Alors, c'est une robe, toujours une robe. On va voir, je sais pas. Qui se présente comme ça, en maille. Et elle est, vous voyez, sur les côtés, elle est froncée sur les côtés. Donc, je l'essaye et puis je reviens tout de suite. Alors, voilà ce que ça donne. Ah ben, ma fille n'est pas fan. Alors, je ne vais pas les porter cette fois-ci. C'est que moi, je n'aime pas de base, donc c'est même quoi moi. Tu n'aimes pas quoi? Les fronces sur les côtés. Eh bien, moi, je n'ai jamais porté de fronces. Mais je me suis dit que ça pouvait être sympa. Moi, je la trouve avec des, vous voyez, avec... ces chaussures là, vous voyez, pour marcher tranquille, pour aller faire des courses. Je trouve que la couleur, elle te va bien. Ouais, la couleur est jolie et je trouve qu'elle n'est pas courte. Elle arrive au-dessous du genou, donc c'est pas vulgaire. Elle n'est pas du tout vulgaire. Et je trouve que les fronces, c'est joli. Je la trouve très belle. Moi, perso, je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup la couleur. J'avais peur qu'elle soit des fois un beige pâle, mais non. Elle est très jolie. Non, rien à dire. Franchement, elle est très jolie. Et puis, très confortable. Et on sent que c'est de la belle qualité aussi. C'est pas... ça va pas se détendre. Ensuite, dernier produit. On a tout fait, Justine? Ça, tu l'as pas fait. Ouais. L'avant-dernier. Du marron. Encore une petite combi. Ah ouais, je voulais des petites choses pour être à la maison. Pour elle. Elle est comme ça. Je vais la porter et j'arrive, à tout de suite. J'adore. Encore une fois, je sais que je me répète beaucoup dans cette vidéo, mais je suis tellement, je suis tellement surprise en fait. Je ne m'attendais pas à avoir des produits de cette qualité. Je trouve franchement la matière. Derrière, tu as un beau décolleté dedans, je trouve. Alors attends. Il y a un bouton derrière par contre. Ah, c'est pour ça alors. Ouais. Il y a un bouton. Je croyais que c'était en V derrière. Bon, c'est beau quand même. Hein. Mais c'est très, très, très joli. Vous voyez, c'est vraiment... Alors, par contre, par rapport à l'autre, c'est serré ici. Vous voyez? Mais, et au niveau... Parfait, encore une fois, au niveau de la taille, moi, c'est exactement... j'ai pas grand-chose à faire en fait pour m'ourler. Le cordon se resserre aussi? Et le cordon ne se resserre pas. Ah, ça, c'est bon. Ouais, là, ça se resserre pas, celui-là. Voilà, et on est super bien dedans, c'est pour être à la maison, pour aller chercher son pain, pour être, même pour faire des courses, pour c'est vraiment trop beau. J'aime beaucoup la couleur marron comme ça, la chocolat, c'est couleur chocolat, je ne sais pas si vous voyez bien, c'est super, j'aime beaucoup. Et puis on va terminer, on va terminer, j'ai jamais eu autant de paquets à ouvrir, avec des petits sous-vêtements, je voulais quand même tester des petits sous-vêtements. Et alors, j'ai choisi. La couleur est trop belle. Ouais, alors il y a plusieurs couleurs. Du noir, ma fille, elle adore celui-là. Avec la petite. Vous voyez, vous avez la petite brassière avec des. La dentelle. Avec de la dentelle et puis des petites bretelles comme ça. Je trouve que c'est très joli. J'ai choisi en taille S. Et la petite culotte qui est comme ça. Alors, voilà. Je vais tester le noir. Je vais en tester un quand même. Hein, pour, il y en a un que tu n'aimes pas. Bah, je voudrais... c'est lequel que tu voudrais, toi? J'hésite entre... Déjà, moi, je voudrais garder le blanc et le noir. Mais je ne veux pas le noir. Voilà. Bah, je suppose que c'est celui-là que tu veux garder. J'aime bien le noir. Mais aussi, j'aime beaucoup le jaune. Il y en a un que tu n'aimes pas. L'autre, ouais, tu peux le garder celui-là.
On va voir. Je vais juste essayer le noir. Je ne vais pas tous les essayer. Mais je vais essayer le noir et je reviens tout de suite. Voilà. Bon. Vous avez déjà vu une femme en sous-vêtements ? Ben voilà, vous en voyez une de plus. Une de 53 ans, donc. Alors, écoutez, l'eau me va parfaitement bien. C'est une taille S. Derrière, je présente comme ça. Et écoutez, il est nickel. Hein, au niveau de la taille, c'est très joli, c'est confortable. Il est molletonné. Le bas, il est un peu serré pour moi, vous voyez. Il m'aurait fallu plutôt une taille M. J'ai la culotte en dessous. Oui, alors je vous le dis, j'ai la culotte en dessous parce que sinon c'est transparent. Pour la culotte, mais quand je vais en magasin de sous-vêtements, je prends toujours une taille M en bas. Et là, c'est du S, c'est normal. Et quand même, je tiens à noter que c'est super doux. En fait, c'est la dentelle est super douce. Ouais. Elle pique pas. Ouais. La matière est très très douce. Ouais. Donc c'était le lot en fait, hein. J'ai pris le lot. Donc bon, c'est pas, voyez comme c'est joli, c'est super joli je trouve. Hein. Veux jaune aussi? Voilà, écoutez, très joli, je suis très contente. Voilà, et bien écoutez, notre vidéo est terminée. J'ai adoré tous ces articles, franchement. Franchement, il n'y a eu aucun flop en fait. J'ai eu aucun flop, à part la petite culotte qui est un tout petit peu serrée, ouais, mais bon, ça voilà. C'est pas grave, c'est ma faute. Mais même, je veux dire, au niveau des matières, et c'est pas. Il n'y a pas de couture qui dépasse. Non, c'est pas. Ça a vraiment évolué, Chine, j'ai l'impression vraiment. Ouais, ça... Franchement, mais je suis hyper. Mais je vous dis, c'est Noël. Je les porte tout sur mon lit. Bon, ben je vais tout laver et puis on va tout... trop beau, j'adore. En plus, c'est tout à fait le bon style. Ce que j'aime, il y a des produits vraiment que je ne trouve pas en magasin et qui sont vraiment... que c'est gros coup de cœur, quoi. Voilà, je suis trop contente. Allez, ben écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que... Bon, c'est la première. Allez, on vous embrasse. Le code promo? Ah oui, alors le code promo... Je vous mets le code promo donc en barre d'infos. N'hésitez pas à l'utiliser si vous avez envie de passer une commande. Tous les produits seront en barre d'infos. Et aussi, le code promo, il est valable jusque fin juin. Et il offre 15% de réduction sur la commande. Donc, je vous mettrai tout en barre d'infos. Et puis, je vous embrasse. Et merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous embrasse. Et merci à vous, hein, parce que c'est grâce à vous si j'arrive à faire ces partenariats. Donc, je vous remercie vraiment pour ça. Gros bisous, à bientôt. Bisous, ciao.